le mauvais camion. Ah, tada! Voilà pour les futurs talents épatants d'Asma Collage. Oh, ils sont splendides, ma chérie. N'est-ce pas, Michel? Il nous reste encore quelques jours pour répéter avant le concours. Notre numéro doit être parfait. Applaudissements. Gracias, gracias mucho. À ce soir, mon Michel. À tout à l'heure, Michel. Salut, Michel. À l'école, comme d'habitude. Bonne journée, Mich! Bah, il est déjà parti. Oui! Tac. Bienvenue. Bienvenue, Igmar. Gros. Si mes souvenirs sont bons, c'est bonjour en suédois. Ah, gros, Igmar. On dit bonjour à Igmar, notre correspondant suédois. Gros Igmar! Igmar! Igmar vient d'ici. La Suède est un pays très froid, connu pour ses biscottes. Pourquoi il fait ça, le Suédois? Eh bien, comme vous le voyez, les Suédois sont vraiment exemplaires en matière de tri des déchets. Nous aussi, nous avons notre spécialité. Igmar, cet après-midi, nous allons te faire découvrir ce qui fait la fierté de notre ville. L'usine de cintre d'Autre-Rive a été fondée en 1918 par Jean-Baptiste Cintre. Vous êtes ici au cœur de l'histoire du cintre. Vous avez le privilège d'admirer des pièces de collection uniques. Entre autres, le nano-cintre. Le cintre en fourrure, le cintre à connexion à Internet, le cintre fossilisé, ou encore le cintre conceptuel. Et voilà le clou de notre collection. Le cintre aux proportions parfaites. Une pièce unique de la Renaissance, d'une valeur inestimable. Bien, passons à la salle des machines. Voilà la noble génitrice, la mère pondeuse de cintre. C'est une machine délicate. Un simple grain de sable peut la faire dérailler. Cette machine a déjà... Vous avez vu, le Suédois, il est fou. 40 000 km de cintre, soit le tour de la Terre. Amusant, non? Moi aussi, je veux y aller. Yahoo! Ouais, génial. Yahoo!
Madame, madame, je peux héberger Ingmar? Il est trop rigolo. Non, moi. Mais où est Michel? Non, il n'est pas venu aujourd'hui. Et il y avait arithmétique pourtant. Où peut-il bien être? Il est si fragile, il n'arrivera jamais à se débrouiller sans nous. Ah, quelle journée! Je sais, je suis un peu en retard, mais j'ai enfin résolu l'affaire du voleur de géranium. Tiens, on a un invité. C'est le correspondant suédois de tes filles. Et il apprécie ma cuisine, lui, au moins. Allez, allez, on se dépêche, on va être en retard à l'inauguration. J'ai l'immense honneur de célébrer le jumelage de notre petite ville d'autre rive avec la ville de Gävle-Norrköping, en Suède. Oh, oh, c'est une biscotte suédoise. J'ai reculé. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un Gävle... Un Suédois. Ingmar, votre réaction? Michel! 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 Hein? Allez, mes petits pigeons, ramenez Michel à la maison. Allez, allez! Merci, Jean-Fruit. Ton exposé sur le Liechtenstein était très... instructif. Maintenant, Ouglon va vous parler du Mexique. Hola, amigo! Je vais vous parler d'un pays d'où je viens, le Mexique. À ce soir, mon Michel. Amigo, amigo, amigo. Madame, le Suédois. Amigo, amigo. On dirait qu'il veut s'en aller. C'est peut-être sa maison qui lui manque. Bah, bah. Allô? Oui. On a en garde à vue un enfant qui correspond à votre signalement. 1m15, le regard intelligent, les cheveux soyeux. Ils ont retrouvé Michel! Ce n'est pas notre fils! Comment ça? Vous êtes sûr? Chef? J'ai trouvé ce qui bouchait le conduit d'aération. C'est lui, notre fils. Lui, c'est notre fils, Michel. Ah, négatif, ça c'est Ingmar. Ya, Ingmar? Ya. Oui, le correspondant suédois de mes filles. Dommage qu'il soit rapatrié aujourd'hui, c'était un chouette gamin. Hein? Comment ça? Où est-il? Bah, il rentre en Suède. Ma femme vient juste de le déposer à l'aéroport. Des talents épatants d'Asma Koulash. Et maintenant, on applaudit les cactus mélomanes. Michel, et voilà, Ingmar est rentré chez lui. Tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas, mon Michel? Ja. Karlstein, Stenitz, Erdeile, Erdeile,
Le tartomatique. À table. Moi aussi j'ai faim. Passez-moi la moutarde. Tu la ranges où déjà? Vous ne savez pas où est la moutarde? Michel, sauce de soja. Non plus. Ronique, farine? Je sais. Là, ce sont les céréales. C'est bien ce que je pensais. S'il m'arrivait quelque chose, vous seriez incapable de vous débrouiller tout seul. Oui. Tadam! Je te présente le tartomatique. Oui. J'ai trouvé ce robot moldave sur un site d'achat en ligne. Il sait faire les tartes et le ménage, comme moi. Bah. S'il m'arrive quelque chose, lui sera toujours là. Il est garanti 99 ans. Oui. Il y avait l'option chevelure naturelle. Ils sont soyeux, tu as vu? Le tartomatique sait faire tout un tas de choses. Attends, tu vas voir. Sa spécialité, ce sont les tartes minutes. Ah, ça doit être du moldave. Attends, on doit pouvoir le mettre en français. Oui. Ça marche. Et ça, qu'est-ce que c'est? Michel, enfin, tu pourrais être plus accueillant. Pilote automatique. Et voilà. J'ai programmé le ménage complet de la maison et la préparation des repas pour toute la semaine. C'est fantastique, mon chéri. Tu vas enfin avoir du temps libre. Du temps libre? Mais qu'est-ce que je vais faire? Fréjus, ça fait 10 ans que tu te consacres à notre foyer et aux tâches ménagères. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelque chose pour toi. Ah, la voilà. Liste des activités que j'ai laissées de côté pour me consacrer à mon foyer. Cours de japonais, ciné-club, sortie en discothèque, skill tir locas. Oh non, ces espèces d'automates parlants que tu fabriquais quand tu étais étudiant en beaux-arts? C'est ça, je voulais en faire 5, comme les 5 doigts de la main. J'ai toujours voulu aller au bout de ce projet. Michel. Pas maintenant, je suis occupé. Regarde, il a terminé sa mission. Tu n'as qu'à aller faire un tour avec lui. Il a une fonction renvoyeur de balles. Vous allez bien vous amuser, tu vas voir. Hé, regarde. Hé, Michel, c'est quoi ce tas de ferraille? Il est vraiment moche. Et bruyant en plus. Oui. Merci. Où est ton père? Oui. ADN modifié, non merci. La banquise fond. Hein? Modifié, non merci. Non merci, Michel, je n'ai pas très faim. Il faut que j'avance un peu, ne m'attendez pas. Modifié, non merci. Vos tartes sont délicieuses. L'intestin grêle du hérisson peut atteindre 4... Vous n'avez aucun respect pour l'appareil digestif.
J'en parlerai à la réunion de ce soir. Pensez bien à donner des convocations à vos parents. ADN modifié. Hein? Merci, Michel. La banquise. Je ne suis pas du tout content. Tu seras privé de télé toute la semaine. Suivant. Hein? Eh bien, venons-en tout de suite au fait. Michel a participé à une bataille de boulettes. Si vous pensez acheter ma Clémence avec cette tarte, vous vous trompez. Cependant, pour ne pas vous froisser... Mais c'est délicieux. J'ai eu grand plaisir à discuter avec vous. Je vous mets au défi pour le prochain concours de l'original tarte. Ce que tu as fait aujourd'hui va plonger notre famille dans la honte pour si, des centaines de générations. Si je t'avais prévenu que si tu te comportais mal, j'appelais ton père. Tu sais même pas qui c'est, mon père. Eh bien, j'appellerai les quatre hommes que je soupçonne avec certitude. Tu aurais pu au moins utiliser des boulettes en papier mâché recyclé. Nous aussi, on veut remplacer nos parents par des tartes automatiques. Ouais, il est gentil, lui, au moins. Il ne te gronde pas et il te donne des tartes aux fraises. Il sait jouer au foot. Comment dire, magnifiquement bruyant. Il faut que Michel voie ça. Où est-il? Michel! Michel! Michel. À mon tour. Je te l'échange contre mon bouquet d'actions en téléphonie mobile. Et regardez, il y a écrit un truc sous son cou. Ne pas faire boire des boissons gazeuses au robot. C'est bizarre. Il est pourtant censé être étanche. Je me demande ce que ça peut bien engendrer. Ça lui fait rien. Donne-lui encore un peu pour voir. Enfin, Michel, d'habitude, tu as l'esprit plus curieux. Tu sais bien que seule la pratique et l'expérimentation permettent de s'enrichir intellectuellement. La banquise. La banquise. Taisez-vous. Non, merci. Interlude musical. Hein? Nous retrouvons le professeur Pangener, spécialiste des tartes automatiques. Ces robots sont extrêmement dangereux. Certains courts-circuits provoquent chez eux des réactions agressives. Michel! Ou auto... Michel! On n'a plus de matériel, ils ont réduit le budget consacré à la sécurité des habitants. Il nous reste la tronçonneuse, mais je vous préviens, on doit facturer l'essence au client. On va abattre l'arbre et le faire tomber du côté du tartomatique pour sauver le type. Ça veut dire que le tartomatique sera écrasé par l'arbre. Sinon, on peut faire tomber l'arbre du côté du type et sauver le robot. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que le tartomatique s'occupe aussi bien de toi que ton père. Sauf que lui, il sait jouer au foot. Si tu veux qu'on joue au foot tous les deux, je peux m'entraîner. Je n'ai pas été très présent ces derniers temps, mais je me rattraperai, c'est promis. Ça dépend de ce qui compte le plus pour toi. Évidemment. Je soutiens ta décision, Michel. Tu es sûr? Faites tomber l'arbre du côté de Fréjus. On sauve le tartomatique. J'ai regardé la notice. Ses cheveux sont synthétiques. Vous n'aviez pas pris en compte la force de Coriolis. Michel et moi, on avait prévu qu'il fallait faire tomber l'arbre du côté de Fréjus pour lui éviter d'être expulsé à des kilomètres. Merci, mon chéri. Je crois que je vais me remettre à la cuisine. C'est plus sûr.
Et voilà. Le stop cellulite. Michel! 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 Oui. Je peux venir goûter chez toi? Je suis plus sûre de vouloir être mathématicien finalement. Le monde du spectacle me tente bien aussi. T'as vu ce hamster qui jouait du piano à la télé hier? Oh, il était fabuleux. Oh, il y a une clé USB dans la confiture. Un message dans une bouteille. Hein? Et si c'était un message de détresse? Quelqu'un est peut-être perdu dans une usine de confiture. Oui. Oui, t'as raison. On dirait un langage codé. On devrait pouvoir déchiffrer ce message. Bonne idée. Tu peux prendre des chips aussi, s'il te plaît? Avec l'aspirateur Amy, adieu les miettes de pain et bonjour la musique. T'en veux, fiston? Et maintenant, voici notre article numéro 10, les poils Colorama. Les poils Colorama changent de couleur selon la température. Elles deviennent bleues, puis rouges, puis noires et enfin blanches comme la neige. Il me les faut. Tapez votre numéro client. Oh, mon soufflé au poivre. Tiens, Michel. Oui. Suis les instructions. Tapez le numéro de l'article choisi. Et maintenant, notre article numéro 11. Finis les grosses cuisses avec le stop cellulite. Prenez la technologie aérospatiale la plus avancée, le plus gracieux design estonien, et vous obtiendrez le stop cellulite. Avec le stop cellulite, les heures de votre cellulite sont comptées. Stop cellulite. Vous avez choisi le stop cellulite. Oh. Oui. Oh, c'est sûrement le cadeau de Fréjus pour notre anniversaire de mariage. Non, non. Je ne dois pas l'ouvrir. C'est peut-être un harmonica. Ou alors, des moufles. Stop cellulite. Oui. Oui. C'est exactement ce que je pensais. Il s'agit bien d'un message provenant d'une race extraterrestre. Ils cherchent à entrer en contact avec des humains qui accepteraient d'être leurs esclaves. Michel, c'est merveilleux! Quel plus grand destin que celui-ci! Esclave pour des extraterrestres! Nos noms seront gravés dans l'histoire spatiale! À demain pour les prochaines aventures des justiciers de l'espace. Il n'aurait pas dû changer de cap. Croisant l'expérience de ton pépé, Michel, il file un mauvais coton. Ah! Oui, 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 oui. Oui. Bah. C'est délicieux. Michel! Michel! Oh. Qu'est-ce que c'était? Thank you.
Allô? Salut, Sivette, c'est Ronique, ça va? Ronique? Oh, Ronique, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien. Ah oui, Fréjus va m'offrir un stop cellulite. Un stop cellulite? Tu dois faire un régime, Ronique, le message est clair. Gratin de patates, sauce tripou mayonnaise. Youpi! Bah, où est Ronique? Ce soir, régime. Régime? Et pourquoi? Parce que, apparemment, les hommes préfèrent les femmes au régime. Les hommes? Quels hommes? Évidemment, tu n'es pas le seul homme de sa vie. Donne-moi du gratin. Ah oui, tiens, Pépé. Oui. Non, ce n'est pas possible. Oui. Il doit y avoir une autre explication. Peut-être qu'elle n'aime plus ta cuisine. Oui. Ne comptez pas sur moi pour partager ma portion avec vous. Ronique, tu n'as rien mangé ce soir? Si tu... Enfin, si tu n'aimais plus ma cuisine, tu me le dirais. Fréjus, j'aime ta cuisine, mais... Peut-être que parfois, tu pourrais essayer de faire des recettes plus légères. Légères? Chers êtres supérieurs, nous confirmons notre volonté de vous servir. Nous vous attendrons dans ce jardin demain à midi, horaire terrestre du méridien de Greenwich. Oui. Ce soir, c'est notre dernière soirée sur Terre. Oui. Parfait. Il ne reste plus qu'à faire nos valises et à dire au revoir à nos parents. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est de la cuisine microbiotique. C'est nouveau, c'est léger. C'est délicieux, ces carottes de mie écrémées. N'est-ce pas? Et c'est très facile à préparer. C'est infect, ton truc. Même à la maison de retraite, c'est meilleur qu'ici. Alors, tu es sûr? Tu veux aller voyager dans l'espace? Oui. Tu as raison. Je suis sûr qu'ils font mieux à manger là-bas. Extraterrestre, nous voilà. J'espère que Michel aura pensé à leur prendre un cadeau. 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 70, 59, 60, 63, 64, tu vas voir. Non, pas des patates. Pas des patates. Oui. Oui. Pas des patates. Du tofu. Non. Ah, du tofu. Oui. Et 1, et 2, et 5, 6, 7, et plus haut, allez, tiens, allons-y, 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 on continue. Et 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, allez, en haut, en bas, en haut, en bas, et bien les genoux, attention, 5, mes poils colorama. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non! Non, j'y arriverai jamais. Autant partir avant qu'il ne m'aime plus. Adieu, Fréjus. Mais bien sûr! Mia, hombre de patria, mami que papá, mamá, 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 m
Ronick, qu'est-ce que tu fais? Je... Bah et toi, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste essayer mon nouvel appareil multimixeur. Ton multimixeur, le Stop Cellulite? Oui. Quel drôle de nom pour un appareil de cuisine. Alors ce n'était pas pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais jeter toute cette nourriture lourde à la poubelle. Ne jette rien mon chéri, on va fêter ça. Ces extraterrestres ne sont pas très ponctuels. On rentre? Michel, tu passeras la mayonnaise? Oui. Une clé USB. Oh, mes résultats d'analyse. Je les ai cherchés partout. Les poules bitumeuses. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Hé, hey, salut les enfants, regardez. C'est ma nouvelle pub pour le Chip Shop. Il est mal imprimé votre tract, monsieur Wang. Il est tout bleu. C'est exprès. C'est une publicité invisible pour les yeux, mais lue par le cerveau. C'est une nouvelle méthode taïwanaise. Oui. Exactement. On lit bien juste là. Chip Shop, la seule échoppe au shopping chip. En bleu sur fond bleu. C'est illisible. C'est bizarre. J'ai une soudaine envie de m'acheter une marmotte en porcelaine. Regarde, ça a marché. Thénatus a vu le tract et il est rentré dans le magasin. On s'est adressé directement à son subconscient. J'ai imprimé en toutes les langues. Le problème, c'est que je n'ai personne pour les distribuer. Hé hey! Michel, Michel, regarde, je les ai trouvées assommées à l'entrée d'Asmakulash. Elles ont de la chance d'être tombées sur une ornithologue. Ce sont d'authentiques poules bitumeuses. C'est une variété très rare qui migre en suivant les autoroutes. Oui, elles sentent un peu le goudron, c'est leur élément naturel. Je me demande ce qui a bien pu leur arriver. D'habitude, elles sont bonnes voyageuses. Un peu de repos, des vitamines, et vous pourrez reprendre la route, mes jolies. Magnifique! C'est tellement beau d'assister au miracle de la vie comme ça, à l'heure du goûter. Il faut absolument préserver cet œuf. Pour commencer, il ne faut surtout pas le toucher avec les... mains. Tu as déposé ton odeur sur son œuf et elle le délaisse. C'est fascinant. C'est un cadeau pour toi, Michel. C'est toi qui vas devoir t'en occuper maintenant. Il te faudra en prendre soin jusqu'à son éclosion. Ici, il sera bien. Oui. Veille bien sur ton œuf, mon chéri. Oui. Oui.
Oui. Bonjour soleil, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais... Waouh! Oh, de la lessive! Oh, c'est chip shop! Un radiateur, c'est pas... Oh, c'est chip! Prendre des framboises! Ah, ça va mieux. Eh bien, j'ai eu une subite envie de shopping, moi. Salut! Finalement, c'est pas mal, ce sale goudronné. C'est très moderne, ça change un peu. C'est important que les poules bitumeuses se sentent dans leur élément naturel. Avec nous, tes poules vont être comme des coques en pâte. Regarde, j'ai même trouvé un diffuseur de parfum gaz d'échappement au chip shop. En voilà une de propre. Allô ? Ils ont encore trouvé des poules bitumeuses mal en point à l'entrée d'Asmakoulash. Ah bon? Le lieutenant Soupe te les amène. Michel, ça fait une heure que je t'attends pour notre partie d'échecs. Qu'est-ce que tu... Wouah! Un œuf géant! Qu'est-ce que c'est? Un brachiosaure? Tu fais des expériences scientifiques sans moi? Je suis sûre qu'en mettant le son assez fort, on pourrait provoquer une mutation génétique. Enfin, Michel, prête-moi cet œuf, c'est pas gentil. Oh. Oui? Il est petit pour un brachiosaure. Ronique, tout va bien? Oui. Oh Michel, ça y est, ton poussin est né, félicitations. Tu sais, les poules bitumeuses gardent leurs petits sur la tête. Comme ça, les poussins sont au chaud et à l'abri des prédateurs. Fréjus, tu peux aller m'acheter des bandelettes, du mercurochrome et aussi du sirop pour la toux. Bon, bah j'ai plus qu'à retourner au chip shop, moi. L'échoppe au shopping chip. Après s'être solidement accroché au plus grand arbre de la forêt, la plante parasitaire... Vous n'avez pas une petite faim? Je pourrais cuisiner des crêpes. Ah non, non, c'est impossible. Des poules bitumeuses de différents groupes sont en train de socialiser dans la cuisine, il ne faut pas les déranger. Oui, je sais, mon fils, être décoiffé en permanence par un oisillon, ce n'est pas facile. Ah. Allô? Oui? On en trouve des poules! On n'a plus une seule place. Appelez le zoo municipal. Ils en ont encore trouvé d'autres? C'est vraiment étrange, tous ces oiseaux blessés. C'est sans doute dû au réchauffement climatique. Sois patient, mon chéri, ton poussin partira dès qu'il sera volé. Dans 2 ou 3 semaines maximum. C'est pourtant simple. Il suffit que tu alignes ton vecteur vitesse avec la portance de tes ailes, bon sang. Paré au décollage. 3, 2, 1, go! Tour de contrôle pour pilote. Vous me recevez? Cet oisillon va finir par lui dessécher le cuir chevelu. C'est étrange qu'il n'ait pas encore pris son envol. Ce poussin doit développer un complexe d'Œdipe excessif. En tout cas, les poules sont toutes guéries
Demain, on les emmènera près de l'autoroute. Je suis sûre qu'il s'envolera avec elle. Allez, mes petites. Il est temps pour vous de reprendre votre migration. Envolez-vous. Allez, allez. C'est pas grave, Michel. S'il ne décolle pas cette année, il décollera peut-être lors de la prochaine migration. L'année prochaine. Michel, j'ai une idée. Mais es-tu prêt à un petit sacrifice pour te débarrasser de ce poussin? Je te promets que cette fois, ça va marcher. Ouais, ça marche! Ces poules sont vraiment trop stupides! Aïe! Et voilà! Les oisillons finissent toujours par quitter leur nid. Finalement, cette coupe ne te va pas si mal, Michel. On pourrait aller au chip shop t'acheter un chapeau. Ouais! Allez, Perséphone, montre-nous où se trouve la Suède. Là. Bien. Et savez-vous quelle température il fait aujourd'hui à Stockholm? Moins 50. Moins 45. Deux. Moins 43. Moins 47. Bravo, Michel. Eh bien, à cette température, même les stylos arrêtent de fonctionner. Mais c'est pour ça que mon correspondant suédois m'a pas répondu ce mois-ci. Quand il fait froid en Suède, les c'est gens... sa grand-mère, elle lui a tricoté un pull en laine. Ah ouais, moi, une fois à Noël, j'ai eu un t-shirt en polaire qui grattait. Chut! De mon temps, les maillots de bain étaient en laine et on s'en accommodait très bien. Pensez plutôt à ceux qui n'ont rien à se mettre sur le dos, comme les pauvres petits Suédois dans leur grand pays froid. J'aimerais bien faire quelque chose pour mon correspondant suédois et ses amis qui ont froid. Oui. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas faim. C'est toi qui as fait ça? Oui. Mais oui, on pourrait organiser une vente de gâteaux pour acheter des anoraks aux Suédois. Michel, tu veux venir chez moi cet après-midi? Nos gâteaux en forme de petits Suédois vont avoir un succès fou. Oui. Tu es sûr qu'il faut les tartiner avec du pâté de foie? Oui. Sulfide? Sulfide! Ce soir, j'ai un dîner avec Steven Ricci, le producteur de raisins et trahison. Mon agent dit que c'est une occasion unique de relancer ma carrière. Je vais me reposer dans le salon, alors pas de bruit, hein? D'accord, maman. De toute façon, elle sera jamais prise. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, tu voudrais un gâteau à la cerise? Surtout pas, malheureuse. Je suis au régime. Ah, au fait, Bully Bob, tu sais le coiffeur des stars. Il va rafraîchir mon brushing. S'il arrive, fais-le entrer. Oui. Non, ça ne va pas. Ils doivent être blonds et bien coiffés, sinon ils ressemblent à des Norvégiens. Vigna et moi, on fait la déco. Va plutôt chercher le batteur dans le placard du salon. Relaxez-vous. Laissez-vous aller. Vos doigts de pied sont légers. Vos genoux flottent. Vous êtes détendu.
Relaxez-vous. Boulibob, vous êtes là. Alors c'est pas grand chose. Il faut juste raccourcir les pointes et redynamiser un peu le tout. Par contre, si vous pouvez faire vite, mon taxi passe me prendre dans une heure. Oui. Oh, mon cher Bouli, vous avez des doigts de feu. Récapitulons. Ingeborg, Morten, Osman, Hulda, Kenneth. Ah oui, moi je trouve qu'il a plus une tête de Valdemar. Hein? Peut-être qu'après avoir mis le pâté de foie, on y verra plus clair. Oui. C'est bizarre, j'étais sûre de l'avoir vu sur la table. Ça sent bon. Si vous saviez comme c'est dur de nos jours de trouver un coiffeur qui travaille avec des produits naturels. Je suis désolée pour le retard. Le singe d'Elton Jim m'a volé mes clés de voiture. J'ai dû jongler avec des bananes pour les récupérer. Maman! Monsieur Boulibob est là! Boulibob? Mais alors? Ah! Oh! La forme est intéressante. Ouais. Je vais réparer cette catastrophe. Ensuite, je m'occuperai de cet usurpateur qui cherche à saboter ma carrière de designer capillaire. Oui. Mon taxi est là. Oh non, Steven ne doit pas me voir comme ça. Vous savez, j'avais plutôt en tête une actrice jeune, capable d'apporter au personnage de Sandy plus de fougue et de vitalité. Toutes mes excuses, madame. Non. Nous avons oublié de vous reprendre la carte. Non. C'est tout à fait Sandy. Nous sommes de retour sur le plateau de La vérité dans les yeux avec Civette. Vous avez été choisi pour incarner Sandy dans la nouvelle production de Steven Ricci. Il paraît que votre coupe a été déterminante. Oui, mais surtout mon talent. Cette coiffure, c'est un feu d'artifice, un coucher de soleil, un sunshine on the sea, un... un sunshine bingo! Oui, c'est l'œuvre d'un jeune créateur échevelé. Il utilise des ingrédients secrets. Sunshine bingo, chichi! Sunshine bingo, chichi! Des gâteaux pour les petits Suédois! Vous voulez un gâteau pour les petits Suédois? On n'a rien vendu! Si ça continue comme ça, on n'arrivera même pas à leur offrir des chaussettes! Excusez-moi, vous êtes bien Michel, le coiffeur échevelé? Oui. Je veux une coupe Sunshine Bingo. Allô? Bonjour Civette, Boulibob à l'appareil. Oh, c'est vous, depuis que je suis passée à la télé avec cette coupe Sunshine Bingo. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Justement, vous êtes une bonne cliente. Je voulais vous proposer de rattraper ce désastre. À titre gracieux, bien sûr. Non, merci. Je me sens comme une nouvelle femme, inspirée, vivante. Et mon agent m'a dit que cette coiffure me rendait très attachante. Adieu. Vous faites des coupes Sunshine Bingo pour hommes? Bien sûr, on va s'occuper de vous. Désirez-vous une spécialité maison? Ouais. Je suis en direct du salon de coiffure de Michel, le créateur de la célèbre coupe Sunshine Bingo. Cette coiffure fait rêver des milliers de gens. Je veux cette coiffure. La caisse, et vite. Je veux cette coiffure. Ah! Michel, allez-vous enfin nous révéler votre recette? Regardez avec quelle agilité et quelle grâce Michel exécute la Sunshine Bingo. C'est de la poésie à l'état pur. Oui. C'est très réussi. Oh, ça me rappelle le temps où je voulais être danseuse de flamenco. Aïe, 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 mi corazón. Aïe, 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 mi corazón. Aïe, 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 mi corazón. Michel est un sale gosse mal éduqué. Cet imposteur m'a volé tous mes clients avec sa stupide coupe Sunshine Bingo. Les vrais génies restent souvent dans l'ombre. Tu sais, c'est moi qui ai inventé le coulage cola. À l'époque, je n'avais pas pensé à déposer mon idée. Du coup, mon cousin m'a volé la recette et il est devenu riche à ma place. Michel, je dois avouer que tu as bien travaillé aujourd'hui. Et si on allait s'acheter un sandwich, on l'a bien mérité, non? Oui. J'ai pris 3 places pour le spectacle de ma mère ce soir. Michel, tu sens le pâté. Ah, et en plus, c'est tout collant.
Grâce à tes talents de coiffeur, Michel, nos amis suédois auront chaud cet hiver. On a déjà 150 euros dans notre cagnotte. À ce rythme-là, on va même devenir riche. Je vais devenir riche. J'ai déposé le brevet de la coupe Sunshine Bingo, faite à base de pâté de foie et de sirop de grenadine. Ce qui fait de moi le propriétaire officiel de cette invention. Mais c'est Michel qui l'a inventé. Toute personne qui fait la coupe sans mon autorisation est passible d'une amende de 150 euros. C'est écrit là. Ce qui fait que vous me devez, voyons, beaucoup d'argent. Je suis prêt à oublier votre dette si Michel accepte de travailler pour moi. Il accepte. Je vous dois combien? Vous me devez 233 euros. Dans le noir électrique. C'est dommage que Michel rate ça. La mise en scène est spéciale, mais ta mère s'en sort bien. Et la vie fut. Clients, c'est presque aussi bien que moi quand j'ai commencé. Et si on se payait un bon restaurant pour fêter ça? Oui, enfin, moi je vais au restaurant, toi tu restes là pour nettoyer un peu. Je vais mettre une cravate et faire un petit pipi. Michel, ton mélange pâté de foie grenadine, c'est pire que de la glu. Ma mère est restée collée par les cheveux à la scène. Les pompiers ont été obligés de découper le plancher. Elle est très énervée et elle dit qu'elle va porter plainte. À l'aide! À l'aide! On veut voir le responsable. C'est moi. Rendez-moi mes sous! Rendez-moi mes cheveux! Je suis d'accord avec toi, Michel. Le milieu de la mode est impitoyable. Oui. Mon correspondant suédois nous a écrit. Grâce aux sous qu'on leur a envoyés, lui et ses copains se sont fait la coiffure Sunshine Bingo. Elle fait un carton en Suède. Ah, ça fait tellement de bien de se sentir utile. Et n'oubliez pas de bien frotter derrière les oreilles. Oh non, Michel! Oh,